rugby qui viendra juste après cette rencontre et juste après Samedi Sport. La prise en premier sauteur impeccable de Baptiste Botta. Ils aiment cette combinaison, en tous les cas. Ils aiment énormément fixer le paquet d'avant du Racing avant d'insister dans l'axe avec Pierrick Gunter. Tillius Bord, on reste au près. Attention Bastaro. À Mathieu Bastaro. Tillius Bord encore qui s'est faufilé. Et c'est le Sébastien Tillius Bord qui profite du bon travail de ses avants, mais aussi de celui de Mathieu Bastaro. En tous les cas, un travail de force qui paye, puisque Toulon mène 30 à 20 face au Racing. Le Racing qui est en train de craquer. Ouais, ils ont commencé à faire le break, les Toulonnais, à la 50e, 55e, dû à des plaquages manqués de la part des joueurs du Racing. Des fautes derrière. Johnny Wilkinson, à part cette dernière tentative, avait fait un 100% jusque-là. Et puis la puissance avec sur les touches notamment, il joue souvent sur le premier sauteur, Bakis Botta, ils partent au ras, ils insistent. Et Sébastien Tillius Bord profite de tout ce travail d'avancer de ses coéquipiers, lui qui est aussi un joueur puissant, mais il a accéléré, trouvé la petite faille. On voit le défenseur qui était déjà parti un petit peu à l'extérieur. Et la libération pour Bernard Laporte, et oui, content comme en 98. C'est une image qui nous rappelle lorsqu'il avait été sacré champion de France avec le Stade français en 1998. Pour la première finale disputée au Stade de France, il avait exulté un peu de la même façon, les poings serrés. Comme ça, Bernard Laporte libéré avec cet essai qui donne 10 points d'avance à Toulon. Toulon qui mène 30 à 20 en attendant la transformation de Johnny Wilkinson. Deux points de plus, 32 à 20 en faveur des Toulonnais. Le Racing est en train de laisser échapper au moins le bonus défensif. Le break est fait, le public le ressent aussi.